J'espère que vous allez bien. Donc, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2016. Donc, beaucoup de bonheur, de l'amour par paniers entiers et aussi beaucoup de santé, surtout de la santé, de la convivialité, des gens honnêtes autour de vous, des gens qui vont vous tirer vers le haut. Vraiment, je vous souhaite tout ceci. Je vous souhaite de trouver l'amour si ça n'est pas le cas. À toute une bonne et heureuse année 2016, que le temps passe vite. Donc moi, je commence cette année avec ma chaîne YouTube, donc j'avais envie de me faire plaisir. Ça faisait déjà un moment que je souhaitais la créer, mais à chaque fois je me posais un milliard de questions, et à force de trop se poser de questions, eh bien on n'avance pas. Ça c'est une évidence. Donc du coup, j'ai pu compter sur le soutien de mon mari qui m'a beaucoup, conseillé de le faire et de ne pas faire attention à ce que les gens pourraient dire, car de toute façon, que ce soit bien ou que ce ne soit pas bien, certaines personnes parleront toujours. C'est comme ça, c'est la règle du monde, c'est le béaba de l'être humain. Nous sommes malheureusement des fois entourés de personnes qui aiment la politique, qui aime critiquer, donc pourquoi se retenir. Donc coucou tout le monde, voilà, alors on se retrouve avec ceci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est les rouges à lèvres de Zozo. Donc c'est les rouges à lèvres que j'adore porter en ce moment. Je voulais les partager avec vous. C'est des rouges à lèvres pour moi qui vraiment allient un petit prix. Donc je pense que le plus cher doit coûter dans les 10 €. Le moins cher, 2,95 €. Vous pouvez les retrouver donc chez Kiko et chez Nocibé, chez Réserve Naturelle. Donc j'ai voulu vraiment choisir ces trois marques qui pour moi sont des indispensables à avoir dans ces placards. Voilà, donc on commence tout de suite tout simplement avec cette encre à lèvres de chez Nocibé qui est donc qui s'appelle Matissime. Donc celle-ci, c'est la numéro 4, Chic Smile. Donc c'est un sorte de rose, vous allez le voir ici. De toute manière, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir me voir porter tous mes rouges à lèvres sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment un mat. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les lèvres bien hydratées en dessous, parce que je vous assure, il est vraiment mat, il est vraiment super joli. C'est vraiment un de mes chouchous. Voilà, je tenais à vous présenter aussi celui-ci. Donc celui-ci qui est pareil, un matissime de chez Nocibé, qui coûte aux environs des 10 €, pareil. Donc celui-ci, c'est plutôt un rose, mais vraiment très clair, un peu Barbie, je trouve. Il est vraiment très très beau, il sèche vraiment vite, donc il devient au bout d'une minute ou deux assez, vraiment mat. Après, je tenais à vous présenter, donc celui-ci, c'est un classique. Il faut vraiment l'avoir, c'est le 908 de chez Kiko. Il est en édition permanente, celui-ci, c'est un rouge, mais un rouge, il est semi-mat. Voilà, il est semi-mat comme ceci. Vous pouvez le trouver des fois soldé à 2,95 €. Donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment peu cher. Voilà, on continue après avec des rouges à lèvres que j'ai découvert de la marque Réserve Naturelle. J'en ai, je pense, 3 à vous présenter. Ils sont terribles. Alors ceux-là, c'est les... ils sont mat. Donc celui-ci, il me fait penser au Ruby Woo de chez MAC. Il est vraiment terrible, il est rouge, il est mat, il sent super bon, mais une odeur, mais à tomber par terre. Alors à chaque fois, on me demande pourquoi j'aime sentir les rouges à lèvres. Mais je sais pas, moi quand je mets un truc quand je mets un rouge à lèvres sur mes lèvres, ben je sais pas, j'ai l'impression que mon nez il est pas très loin. Donc si ça sent le pétrole, c'est même pas la peine, je ne le mettrai pas. Donc oui, je sens les rouges à lèvres même avant de les acheter. Parce qu'il m'est déjà arrivé d'acheter des rouges à lèvres, ils sont juste immétables. Enfin, je sais pas, ça sent le chimique, ça sent le... Je dis tout le temps que ça sent le pétrole, mais là, ça sent vraiment le... Je vais le dire pour faire rire une certaine personne, ça sent le propre. Celui-ci, non. Celui-ci, franchement, il sent la fleur, il sent le lotus, la rose. Je sais pas, il a vraiment une odeur fleurie. Oui, je suis dingue, je sens mes rouges à lèvres, mais... Bref, on ne changera pas. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Kiko, pareil, c'est, il est dans une édition permanente, donc c'est un aubergine,
Il est terrible celui-ci, franchement, je vais vous le mettre ici. Celui-ci, il est vraiment crémeux. Il n'est pas mat, il est semi-mat. Il a vraiment une couleur, moi, que j'apprécie énormément. C'est à vous aussi de gérer l'intensité du rouge à lèvres. Moi, des fois, j'en mets juste une fois, des fois, je vais en mettre deux fois ou trois fois pour vraiment qu'on voit mes lèvres. Alors ensuite, encore un de chez Réserve Naturelle. Donc franchement, cette année, j'ai envie de vous dire que j'ai craqué chez eux. J'ai d'autres produits aussi à vous présenter. Franchement, je trouve que c'est des produits qui valent le coup, qui ne sont pas chers et qui sont d'excellente qualité. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc c'est un nude, celui-ci, un peu bois de rose. Pareil, il est mat. Il est juste trop beau, trop beau, trop beau. J'aime beaucoup le mettre. Pareil, il sent vraiment bon. Il est facile à appliquer. Il est vraiment terrible. Et pour finir, nous allons terminer avec celui que je porte. Donc toujours de chez Réserve Naturelle. Donc celui-ci, voilà, c'est. Au début, quand je l'ai acheté, je me suis dit non, mais tu ne le mettras pas, tu n'oseras pas le mettre. Et au final. Et ben, je trouve que franchement il est portable. Je le trouve vraiment beau. Il est hydratant. On ne le sent pas du tout sur les lèvres. Il ne vous assèche pas les lèvres. Moi je déteste avoir les lèvres toutes fripées. Enfin, des fois vous mettez un rouge à lèvres et vous avez l'impression d'avoir la bouche comme ça. J'espère que cette vidéo, les filles, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Thank you.